Mais j'ai mes limites. Pourquoi je veux une sans fil? Parce que bah c'est super agréable de pas avoir un fil qui se prend dans. En plus elle est bien en promo là, du 502. Hein. Si t'achètes la collector à 400 balles de Darksiders 3, elle est chère. Après pigeon, moi je te dirais non parce que je l'ai acheté aussi, mais tout dépend de... Enfin en fait, au final tu fais ce que tu veux déjà, si t'as envie de te faire plaisir. Sachant qu'il y a 4 figurines dedans. Je sais pas où je vais les mettre. Allez, on est reparti! Essayer d'être là sur les coups de 19h-19h30 parce que c'est à peu près là que je ferai le raffle pour offrir le jeu. Parce que je sais où je vais mettre les figurines dedans, je sais pas. Très honnêtement, je sais pas. Le raffle là, c'est pour choisir le personnage. Hein. Quel mode là? C'est le Edge Master. Close. Draw. Newman is following en plus, c'est cool. Franchement, je crois que Siegfried, c'est le mieux détouré. Hein. Human, est-ce que tu es là? Je débarrasse de Guts pour mettre figurine. Bah écoute, si tu veux, tu peux prendre Guts contre 1300 balles. Y a pas de souci. Oui, bah donc on attend ton choix. Mais j'ai raffle pourquoi? J'ai gagné quoi? Ça va arriver. Le deuxième à droite. Non, pas Voldo, on a déjà joué Voldo. Qu'est-ce que vous avez avec Voldo? Un autre. Ouais, les portraits sont tout floutés. Ah bah, c'est la puissance de la PlayStation. Hein. Après, je peux les rendre encore plus flous. Regarde, tu fais ça. Ah, c'est encore plus flou. Et on dirait que ça rame, surtout.
Il reste qui? Tous les autres. Voilà, pour les prochains raffles... c'est de connaître les persos... C'est parce que ça aille plus vite, quoi. Taki! C'est parti! Je ne sais pas du tout jouer Taki, ça va être très marrant. Avant B? Ok. Quel truc où elle fonce avec la dague en avant? Mais les persos ont pas des armes débiles aussi? Genre il me semble que Rock il a un marteau pouette. Mais du coup il a quoi Cervantes? Ans, Taki, voilà, c'est un ninja très entraîné, elle est experte en espionnage, voilà, beaucoup de commandants militaires employaient des ninjas, mais Taki travaillait pour elle-même, voilà, elle est super balèze. Donc elle est très très forte, voilà, je résume. Hein. Pas dans ce jeu, ils ont que des armes normales ou épiques, mais pas rien de débile. C'est dans le 2 alors peut-être. Alors, elle a été bénie par des pouvoirs surnaturels. Taki a choisi de voyager à travers le Japon pour conquérir les démons vindictifs et démoniaques. Les démons démoniaques qui menacent les gens ordinaires. Alors, Taki a forgé sa propre arme. Elle est décidément très très forte. Avec beaucoup d'amour et d'affection. C'est le nouveau. Ouais, ouais, là on est sur... Alors, parmi ses armes préférées, sa préférée était Reikimaru. Qui a des pouvoirs super naturels. Cependant, le pouvoir de Reikimaru commençait à s'affaiblir. Mon dieu. Bon voilà, elle a mis dans un temple, il y a des fantômes. Donc voilà, il y a des démons. Et je perds ma puissance, voilà. Voilà. Inside his shrine, knocking out of the ring. Versus Valdo. Fight. Out of the ring. Out of the ring. The grueling battle ends with the victory of Taki. You win! Versus Valdo. Fight! Out of the ring. Bon bah, voilà. The grueling battle ended with the victory of... You win! Avant Becca, avant Becca, avant Becca. Ah oui. Ah, après avoir défaiti le démon Voldo. Avoir vaincu le démon Volto, c'est là son esprit à l'intérieur de son éventail en fer. Empoisonné! 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 Merci à Cookin pour tes 22 WhatsApp. Des bisous! Very fast attack! On est obligé de se battre.
Alors, le quartier général, le château de Noto. C'est bien ce qu'à partir du 2, c'est en français. Power 1. Ah bah faut tester. Alors c'est une forteresse pirate qui occupe l'île entière. Alors, Taki avait entendu d'un pourfendeur de démons samouraï, Mitsurugi. Elle alla après lui en espérant retrouver l'épée spirituelle. Voilà, donc elle arrive au château, ça doit être lui. Le mec répond, qui c'est, hein? Il fait, t'es Mitsurugi? Donne-moi l'épée du temple. Et on l'attaque. Je suis content de vous résumer l'histoire. J'aime bien ce tableau joint avec mon éventail. Ah merde, y'a un time's up. Versus Mitsurugi. Fight. Ça veut dire en japonais mange tes morts. Voilà, Taki vaincu Mitsurugi et reprena l'épée. Ah, retourna au château et prit Mekimaru, le trésor. Avec le pouvoir de casser les esprits démoniaques. Donc elle retourne au temple pour la receler. Blablabla, tout va bien. Donc là... ouais, on va dire que c'est la Chine, ouais. Strong weapon, but consume l'énergie. Alors on est à Sankyo, voilà, à côté de la rivière Yangtze, voilà, une grande rivière de Chine. Donc arrivé sur le continent, Taki entendit des rumeurs à propos de Soul Edge. Cliff, ouais, voilà, donc elle arrive, voilà, il y a un mec qui lui dit hey, tu as entendu parler de Soul Edge? Fous-moi la paix. L'autre il fait désolé, l'épée elle est à moi, pas à toi. Bagarre. Versus Li Long Fight. Après, la collector à 400 balles pour en revenir, hein, Kyo. Je sais pas sur quelle plateforme tu comptes la commander, mais je crois que... Genre sur PS4, c'est... y'en a plus, hein. J'adore ce jeu. The dueling battle ended with the victory of Li Long. You lose. Versus Li Long fight. Oh, la barre de vie celle-là. The grueling battle ended with the victory of Taki. Faut dire sans you win. Merci. J'avais pas tilté tout de suite, je t'avoue.
Hop, alors. Donc on défaitit le très balèze Li Long en disant chichieux. Ça veut dire choukran. D'accord, donc il se jette lui-même dans la rivière et disparaît, avait risqué la polarité de la guerre. D'accord, c'était un ennemi fort, ce n'était pas juste un voleur. Il a 24 ans, Linon. Bah, c'est un vieux du jeu. Hein. D'accord, Taki continue son voyage pour trouver l'épée démoniaque. Continuons le voyage. Donc on arrive à Colosseum, c'est au-dessus de la Grèce. Alors, c'est une arène de combat secrète qui attire les gens forts venant de tout le monde. Donc, bagarre. Versus Mitsurugi. Fight. Oh, ça va être bien. C'est la version PS1, il y a que PS1. Ouais, il est sorti que sur PS1 celui-là. Versus Mitsurugi. Fight. Oh mon dieu, la barre de vie. Ah ouais, d'accord. Grueling battle ended with the victory of Hut. You win. Vienna. Enfin, il y a une version arcade aussi, Freeze, c'est vrai. Versus Son Mina. Fight. The grueling battle. You lose. Ouais, l'épée qui draine l'énergie, c'est pas top, hein. Ah, il a peut-être eu des ressorties sur PSN, je sais pas. Enfin, là, moi, je joue sur ma PS3. Versus Mitsurugi. Fight. The grueling battle ended with the victory of Mitsurugi. You lose. Denastikui! Versus Mitsurugi. Fight. The grueling battle, you lose. Ah oui, faut que j'en batte 4, hein. Faut que j'en batte 4. Ah, et puis alors pour le coup, Taki, je connais pas du tout. Mitsurugi. Fight. Ah, Tira, c'est dans le 3 qu'elle apparaît.
Dueling battle ended with the victory of Haki. You win. Versus Son Mina. Fight. The grueling battle ended with the victory of Haki. You win! Hyena! Hyena! On a bien joué, Versus Huang Song Hyong. Grueling battle ended with the victory of oui, j'ai pas l'habitude de leur sauter dessus quand ils sont à terre. Faut vraiment que je le fasse. Versus Mitsurugi. Fight. The grueling battle you win. Versus Son Mina. Fight. Ah, je vais tellement avoir peu de régène. Oh, ça va. Versus Huang Song Hyong. Ok. Ça va bien, Shiner. Ça va bien. Faire laver. Versus Mitsurugi. Fight. Kiena. The grueling battle ends with the victory of Haki. You say now. You win. Versus Son Mina. Fight. Knockout. The grueling battle ended with the victory. Faut bien que ça rentre un moment quand même. Versus Huang Song Hyong. Dis donc le jeu qui lag là. The grueling battle ended with the victory of Haki. You win. Versus Baldo. Fight. Ok. Je prends. You win. Kiena. Malgré les pronostics, Taki a tué tout le monde et a gagné sa nouvelle arme, Jute.
Vous voulez le costume rouge? Alors, extremely good at destroying weapon. Alors, il est dit que le temple a été construit par le dieu de la forge Hephaistos lui-même. Donc ouais, c'est pareil. Donc là, on arrive. Voilà, il y a Sophitia. Donc on arrive au temple, il y a une fille qui nous dit « Toi aussi tu recherches Soul Edge ?» On répond « Ouais, et qu'est-ce que ça peut te foutre ?» voilà, si tu la veux, tu vas devoir me casser la gueule d'abord. Critical Edge ? Critical Edge ? Critical Edge ? Comment on fait les je vais te dire plutôt arme blanche. The grueling battle ends. You lose. C'est un peu dur, non? The grueling battle. You lose. I'm sorry. Versus Sophie. Fight. Ah, ça enlève que ça? What? Battle ended with the victory of you lose. I will never forget you. Ouais, en plus long, mais faut le faire quoi. Oula. Je vais péter mon arme surtout quoi. Wow, mais ça va être chaud. The grueling battle ended with the victory of Sophitia. You lose. Fight. J'aime les contres en plus.
Mauritius. The grueling battle ended with the victory of Sophia. You lose. I will never forget you. Versus Sophia. Fight. C'est que j'ai même pas le temps de le placer parce qu'il y a. Non mais vu la barre de. Vu la jauge que ça enlève sur mon arme, est-ce que je lui enlève comme vie? Non mais il y a un souci, je fais pas le bon truc, c'est pas possible. Je fais pas le bon truc. The grueling battle ended with the victory of Sophia. You lose. I will never forget you. Ah mais je dois pas faire ce qu'il faut parce que. Versus Sophia. Fight. With the victory of Sophia, you lose. Si on réussit le combo, ça one shot. Versus Sophia. Fight. With the victory of you lose. Putain, les timings sont. Parce qu'appuyer sur les trois touches en même temps, c'est dur. Alors attendez. Après, c'est bas et haut. Bas, haut. BK. Non, non, c'est pas. Ah, ça a pas marché. Ah, c'est foutu. The grueling battle ended with the victory of Sophia. You lose. Versus Sophia. Fight. Ah là là, il l'a pas fait. Bon, tue-moi. Non mais arrêtez de me donner des. Faut que je fasse un critical edge. Faut que je fasse le coup où je pars avec la dague en avant et que derrière je réussisse la deuxième partie du combo. Donc y a pas de faire tomber du stage ou attaquer en bas. Ou... Faut que je réussisse un coup en fait. Mais déjà que contre un ennemi qui bouge pas, j'y arrive pas. Voilà. The grueling battle ended with the victory of Hak. You win. Kiena. Versus Hak. Fight. Ah mais elle, je peux la tuer normalement. The grueling battle ended with the victory of Hak. You win. Yo, Asundaka. Elle, je pouvais la tuer normalement. Bon, bah, voilà. Tant mieux. Ah. Oh, oh.
Voilà, j'ai défiti Sophitia et mon double. Ce qui fait qu'on a l'arme, la Gaia Sword. Voilà, elle sentait le pouvoir de du dieu de la forge, détruit sous l'edge. Du coup, on arrive en Allemagne de Trelleste. Alors, c'est le château. Bon, on arrive chez Siegfried. Les commandes continuent le bombardement, donc on s'infiltre dans le château contre un jeune porteur d'épée, nous dit personne n'est autorisé passer ce point. Sachez, je n'ai pas le temps de jouer avec des enfants. Sur quoi il dit bagarre. Non mais la carte, faut la regarder, elle est marrante. Hein. Regarde où est écrit l'Allemagne. Versus Siegfried. Fight. No. Time's up. You lose. No one can stop me. Mais oui, c'est beau la PS1, voyons. Versus Siegfried. Fight. Knockout. You lose. C'est le Valkyria Chronicle. C'est vrai qu'il avait rien à dire aussi. Versus Siegfried. Fight. Time's up. Oh, you lose. Siegfried, fight. Knockout. The grueling battle ended with you lose. Bah, je crois que... Ah non, y'a... Il y a celle-là qui fait un peu plus mal. Versus Siegfried. Fight. The grueling. You lose. Siegfried, fight. Viking Orc. The grueling battle ended. You lose. You lose. La garde, c'est un bouton, ouais. Versus Siegfried, fight. Born to be wild. C'est le Thanos, peut-être 10 mois de sub. The grueling battle ended with the victory of Siegfried. Bisous. I never had such an easy victory. Oui, bah t'es pas. Versus Siegfried. Fight. Petit tir de vie. La chope qui fait la moitié de barre de vie. Tout va bien, tout va bien.
Burst Siegfried. Fight. Totalement bourré. You win. Tayasui aite da. Après avoir battu le jeune Siegfried, Tali découvre une arme traditionnelle utilisée par les ninjas s'appelant kunai. Je connaissais pas, non. Grosse stat, hein, le kunai. Hein. Alors, une île isolée, et voilà, il y a des... Bon, on est chez Voldo. Alors, j'ai accosté sur l'île, je me fais attaquer dans le dos et je suis blessé. Et je sens mon corps s'engourdir. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? S'écria-t-elle. Il est temps pour toi de prendre une, de faire une sieste. Ah, et c'est Lilong qui arrive en s'étant rasé les cheveux. Ouais, Voldo, l'italien, ouais. Versus Lilong. Fight. Ah, donc tant que je suis debout, ma vie est descendre. Oh la vache. With the victory of Li Long, you lose. Ouais, au départ, ouais. Il y a toujours eu des modes solo assez stylés. C'est pour ça que les gens ont beaucoup râlé sur le 5. Sur le 4 aussi pour ça. The grueling battle ended. You lose. Le combo de la muerte, si long fight. Qu'est-ce qu'il a masse de vie ce con, hein. Versus Li Long Might. You lose. Versus Li Long Might. On va s'amuser, hein. On va s'amuser, putain. Versus Li Long Might. The grueling battle. You lose. Versus Li Long Might. Ah bah, mid bar de vie.
You lose. T'es Yurin. Versus Li Long Fight. C'est marrant, ça dit Link et Hachi. Il y a spawn, hein, les gars. Microfemme. Versus Li Long Might. The grueling battle ended with the victory of Haku. You win. Quand vous allez voir la qualité vidéo du 2 sur Xbox comparée aux deux autres versions. Alors, l'attaque de Lilong était plus furieuse que jamais. Malgré le poison, Taki a quand même gagné avec son talent incroyable. Alors, je trouve l'antidote, je cherche pour la Soul Edge et je trouve tantôt à la place. Et ensuite, on se barre de l'île. Ah bah oui, totalement la version Xbox, oui, bien sûr. On est en Amérique. Ouais, les Creed. Qu'on reverra jamais. Donc on arrive dans la savane nord-américaine. Alors, on a entendu l'histoire d'un pirate qu'il y a 13 ans avait trouvé... 30 ans, pardon. Avait trouvé Soul Edge. Alors, voilà, en cherchant la vérité, elle traversa l'océan Atlantique et arriva sur ce continent. Après, on rencontre un homme, il réagit violemment quand il entend le mot Soul Edge et il nous attaque. Kick out of the ring. Versus Rock Fight. Oh vache, putain, je voulais juste me décaler, hein, gars. Versus Rock Fight. Et c'est ça que je veux faire. You lose. Versus Rock Fight. Out of the ring. Voilà. The grueling battle ends with the victory of Taki. You win. Kiena. Alors, Taki utilisa ses techniques de ninja pour dégager le géant rock. Après avoir parlé aux locaux, Taki trouvera que le pirate n'avait pas été vu ici. Elle repartit alors pour l'Europe.
Alors, on arrive en Espagne pour chercher la base de Cervantes. Alors, Taki n'avait jamais vu Rekimaru devenir de plus en plus fragile. Cette fois, je dois être proche. Après avoir cherché dans le port, elle vit un homme tenant deux épées. Tu m'as finalement trouvé. Je prendrai l'arme, l'âme, le pouvoir de ton arme et ton âme. Bagarre. Versus Cervantes. Fight. Et merde. J'ai une envie de crème. Voilà. You lose. C'était envie de crêpes salées là avec un petit peu de jambon. Ah non, pas des larmes. Non, juste du jambon. Ah ouais, ça c'est bon, ça va. Putain, j'ai faim. On peut se faire livrer des crêpes. Empoisonné. Merci au Krex pour tes 17 mois de sub. Merci pour ton soutien, les bisous et les petits pains qui n'arriveront pas sur le chat. Est-ce qu'on peut se faire livrer des crêpes au jambon? C'est important. Soul Edge. Ça se passe très bien, Freya, salut. Oui, ça se passe bien, ouais. Je t'ai donné faim, désolé. Versus Cervantes. Ah, puis faut rebattre les deux. Ah, ça va bien se passer. You lose. Versus Cervantes. The ruling you lose. Vu que je me fais défoncer rapidement, du coup, vous entendez que le début. Versus Cervantes. Mais baisse-toi. Il attaque plus vite que moi, hein. Je suis Taki, hein. Il attaque plus vite que moi. L'ordi, il triche. Versus Cervantes.
trouver comment baiser l'IA, je crois. Oh, Ivanos. Juste que j'arrive à mettre. The grueling battle ended with the victory of Taki. You win. Eh ben non, les soul, tous les soul calibur en fait cotent pas trop. Celui qui cote le plus, c'est le 2 sur GameCube, comme d'hab Nintendo, et qui a 30 balles. Ah, ta vie Sinaël, c'est beau, hein. Mais c'est mon art à moi de trouver comment baiser les jeux. C'est mardi 16 à partir de 18h. Oh mais merde, ça sort demain soir l'extension de For Honor. C'est pas demain matin. C'est demain de 18h pendant 3h. Bah midi, bah là ils ont fait un tweet officiel en disant 18h pendant une durée de 3h. J'ai un code pour Marching Fire à faire gagner en live. Il y a Twitch qui me fait tiens cadeau un code, j'ai fait c'est dommage, je l'ai acheté il y a 1h30. Go choper la Spirit Blade. Bah oui c'est vrai, comment je fais pour l'avoir? Dans un combat random, c'est-à-dire que je lance n'importe lequel combat. Versus Siegfried. Fight. The grueling battle ends. You lose. Et elle s'est déplacée sur un combat à côté de la map. Ah genre c'était là. Ça pique. Ça aurait été beau que... Ça aurait été beau que j'y arrive du premier coup. J'allais au stage 4, ça refout tout en l'air. Ah merde! Mais tu m'as dit soit à droite, soit à gauche. Mais c'était pas, tu parlais pas en termes d'écran? Donc je peux sortir là, ça sert à rien. À une maintenance de 3 heures, Raidak. Le jour de la sortie de l'extension. Ah, en termes de stage. Mais que. Ah oui, les épisodes, tu parlais. Donc là, attends. Soit en 7, soit en 5. Mais ça pouvait être en 9 aussi, non? Sauf le dernier. D'accord. Donc là, je suis sûr que c'est là.
merde, c'est le combat chiant. Versus Sophie Fight. Ouais, tue-moi, je peux plus te tuer là, vas-y, tue-moi. The grueling battle ended with the victory of Sophitia. You lose. Ah, tu vois? Elle était là. Donc là, c'est soit là. Donc c'est 7, 6 ou 4. Je suis sûr que c'est là. First Siegfried. Fight. Merde, j'ai pas vu qu'il y avait le temps. Time's up. You lose. J'ai pas vu qu'il y avait le combat. Il y avait le temps. Merde, c'était pas là. Donc du coup, elle est revenue là. En fait, je pourrais retourner au premier stage et le chain jusqu'à ce que je tombe dessus, hein, le truc le plus simple. The grueling battle ends with the victory of Haku. You win. Yo, asunda ka? Versus Haku, fight. The grueling battle ends with the victory of Haki. You win. J'ai une date pour mon marathon Silent Hill. Comment dire ça? On l'a déjà fait en fait. Mais t'as l'intégralité sur. T'as l'intégralité sur sur YouTube si tu veux. Versus Li Long Fight. Il n'y a aucun moyen de savoir où elle est là. The grueling battle ended with the victory of Haki. You win. Kiena. Je pense pas que ça bouge tant que t'as pas fait le bon stage. Non, mais c'est vrai qu'il y a des infos en dessous qu'il faut que je mette à jour. Li Long Fight. Bon, juste Silent Hill, c'est first cool, hein. Siegfried. Fight. Oh, la barre de vie.
Oh l'enfer. The grueling battle ends. You lose. Oui, oui, Orion. Ouais, ouais, ouais. Versus Rock. Fight. Out of the ring. The grueling battle and you lose. Non. Mitsurugi, fight. The grueling battle ends with the victory of Haki. Avec ça, je suis obligé d'avoir. J'ai Choupi Gamer Girl. Allez, là je l'ai, là c'est bon. Merde. On est totalement perdu. Ah, par contre, le truc au pif comme ça, c'est vraiment nul. Hein. Versus Li Long Fight. Kiena! Kiena! The grueling battle, you win! Pour ceux qui se demandent ce que je fais, on est en train de chercher... On est en train de chercher le... l'arme ultime, en fait, de Taki. With the victory of Taki, you win! Versus Baldo, fight! Out of the ring! The grueling battle ends with the victory of Taki. You win. Ça a l'air de bouger, hein, même quand... Ou alors il est là. Ou alors il est là. Versus Mitsurugi. Fight. The grueling you win. Versus Son Mina. Fight. Battle ended. You win. On a pas beaucoup de vie, hein. Versus Huang Song Yong. La Soul Calibur, c'est sa version de lumière, en fait. Parfait. You lose. Il était là. Droite ou gauche? On va dire Chine, parce que la Grèce, c'est chiant. Versus Li Long Fight. Kiena!
Les gros combats. The grueling battle ends. Une chance sur deux. Hein. Victory of Haki. You win. Shit. Alors, on va faire un test pour voir si elle bouge vraiment ou pas. Versus Mitsurugi. Fight. Allez, tue-moi, tue-moi. The grueling battle ends with you lose. Ce combat. Versus Sofeti. Fight. Oh là là, j'ai raté. The grueling battle ended with the victory of Sofitia. You lose. I will never forget you. Ah, effectivement, elle a pas l'air de bouger. Donc elle est soit là, soit là. Soit là. Versus Siegfried. Fight. You lose. I will not rest until I reap vengeance for my father. Elle était là. Donc elle est repartie. Alors pas en Spain, soit là, soit là. Si si, parce que tout à l'heure c'était sur l'arène Sanjuri. Versus Li Long. Fight. Bon bah voilà. Donc c'était ma vie. Voilà. The ruling battle. You lose. Tu fais laminer. Donc elle était là. Il est en train de naviguer entre les combats chiants, c'est génial. Versus Sofitia. Fight. Ah mais merde, j'arrive pas à faire ce coup à la con. Ah j'arrive plus à le faire. T'as appuyé sur 3 touches à la fois sur cette manette. Donc il est là alors. Versus Siegfried. Fight. The grueling battle, you lose. Non. Bah alors, il est là. Sinon, ça veut dire qu'il bouge quand je suis pas sur le bon stage. Versus Rock, fight. Oh les dégâts.
merde. The grueling battle ended with the... You lose. Ah putain. Non, pas l'Espagne. Donc là, il est revenu là. En fait, il y a une arme cachée qui se balade de niveau en niveau. En fait, et le but du jeu, c'est de la trouver. Versus Li Long Might. Mais ils sont tellement énervés les niveaux. The grueling battle ended with the victory of Li Long. You lose. Là, c'est que les niveaux de la loose en plus. C'est le cas. Versus Siegfried. Fight. Et il me remet... Bah oui, bah remets-moi bien à terre avec la mise au sol lourde qui dure 3 plombes. Putain. Oui, ce mode de jeu, il prend pas en compte... Ouais, comment on fait ça? Oh, je vais me faire laver... Merci Kaios pour tes 21 mois de sub. Et 8 sous. Ah bah il était pas là. Donc il est retourné en Amérique. Non, tu peux pas. Versus Rock Fight. Battle ended with the victory of Rock. You lose. On va y arriver. Versus Li Long Might. Ah, puis je suis têtu, hein! Ah, Siegfried, par contre, il est infernal, hein! Puis je joue bien le chrono, hein! The grueling battle ended with the victory of Siegfried. You lose! Et j'ai raté. The grueling battle, you lose.
D'accord, il est reparti. Ok, il est reparti là. Là, c'était le plus faisable, quoi. Versus Rock Fight. J'ai l'impression qu'ils sont encore plus vénères qu'avant. Sur PS1 celui-là. J'ai toujours pas regardé si je peux me faire livrer une crêpe. Bon, là, que je me fais laver sur tous les niveaux, en fait. Merci Delpha. Oh, t'es 19 fois de gros sub. Des gros bisous d'Alpha, merci à toi. Allez, tue-moi. Et l'ordi qui devient complètement con quand tu fais rien et divin quand tu, quand tu bouges. Ah non, mais il attend. En fait, il est vraiment retourné là-bas. Il bouge entre Italie et Amérique. Hein. Rock fight. The grueling battle you lose. Je la veux cette arme. Je la veux, putain. Versus Li Long Fight. You win. Ah bah oui, elle est bien. Bah oui, elle est bien l'arme. Non mais c'était fait exprès. C'était fait exprès pour finir à 19h.
Donc ça c'est cool. Alors qu'est-ce que je voulais faire? Attendez, oui! Est-ce qu'on peut se faire livrer une crêpe au fromage? Hello Google? Populaire à proximité. Fais ta crêpe, Champigny! Attendez, je peux vraiment me faire livrer une crêpe? Oh mon dieu! Tenders de poulet, cheddar, œufs, bacon, salade, sauce biggie et sauce mayo. Poulet tandoori, jambon de dinde fumé, cheddar, œufs, salade et sauce au choix. Viande hachée, cheddar, œufs, boursin, champignons, tomates. Même pas 15 euros, c'est 10 quand même. Fais ta crêpe, c'est dégueulasse. Bah je sais pas, écoute, c'est bien noté chez moi. C'est l'un des rares restos à 4 étoiles. Hein. Donc il y a plus de 200 avis à 4 étoiles. Écoutez, je propose qu'on teste. Oh mon dieu, je peux rajouter tellement de trucs dedans. Non mais attendez, regardez tout ce que je peux rajouter. Ah, vous voyez pas? Regardez. Vous avez vu le truc? Fais-moi confiance, c'est vraiment un supplice. Mais vraiment? Je peux mettre du... vous savez que je peux mettre dans la crêpe avec genre poulet tandoori, je peux mettre un supplément Kinder Bueno. C'est au tacos de la crêpe. Ouais, mais c'est bien noté. Ah non, mais moi, vous m'avez dit non, moi j'hésite maintenant. Ah, mais c'est pour dire qu'il y a tout, quoi. Mais à mon avis, tu mets ça, il te rappelle, hein, en demandant ce que... si tu vas bien, quoi. Ah oui, non, fruits au choix. Oh non, non, ça déconne. Bon, bah, pas de crêpes, alors. Oh, les chieurs. Oh, putain, je peux me faire livrer un Subway. Je savais même pas que je pouvais me faire livrer un Subway. Après, c'est McDo, KFC. Des légumes? Bah, dans la crêpe, il y avait de la salade. Bon, bah, c'est bon, je mange pas, j'ai compris. Ah bah là, on m'avait tous dit que c'était à chier, maintenant je commande pas là-bas. Hein. Et je boude, voilà. Regardez. Non, au tacos, plus jamais de ma vie. Hein. Très honnêtement, au tacos, plus jamais. Hein. J'y suis allé deux fois, j'étais malade deux fois. J'ai une Saturne, non. C'est une console que je ne connais pas du tout, la Saturne. Enfin bon, voilà, pour être honnête, je pense qu'on arrive au bout de ce petit segment sur Soul Blade. J'espère que ça vous a plu. Et hop.
Donc là, on va faire un petit truc. Vous savez bien. Donc voilà, comme je vous l'avais promis, pendant que la démo défile derrière, hop. À chaque fois que je vais terminer un jeu, je vais vous en offrir un exemplaire. Donc là, je vous offre le Soul Blade sur lequel je suis en train de jouer. C'est une édition Platinum, je suis désolé, il y aura que ça. Par contre, je tenais juste à dire, c'est vraiment un jeu d'une autre époque. Regardez l'épaisseur du manuel. Voilà. Et vous avez les coups de tous les persos dedans. Regardez. Il y a les coups de tous les persos dedans. Un vrai manuel. Il est complet le livret malheureusement et il y a une page voilà, qui s'en va. C'est pas le jeu qui a... Voilà, c'est pas le meilleur état, je suis désolé. Mais l'avantage pour vous, c'est qu'il est gratuit. Voilà, après, comme je vous ai dit, la série Soul Calibur, ça cote pas des masses. Vous pouvez les trouver pour pas très très cher. Je crois que celui-là, c'est aux alentours de... C'est un des plus chers, il est à 20 balles, je crois. Voilà, donc... Moobot, Raffle, Open. Est-ce que j'ai fait Octopath Traveler? J'ai commencé, je le ferai plus tard. Ah mais cet opening on l'a tous écouté en boucle hein. Bah ce sera demain soir la Libère et tu vois finalement Marching Fire moi je vais en faire que mercredi matin parce que demain matin en fait il n'y a pas. Alors c'est la version censurée. Qui est en Europe et aux USA, tout simplement, parce que vous verrez quand Sophie Tia apparaît dans la fontaine avec Hephaïstos, dans la version japonaise, elle est beaucoup, beaucoup moins habillée. Là. Voilà, le maillot de bain a été rajouté. Puis même, la musique, elle pète tellement... J'ai marqué Fandor, mais je ne savais pas encore à quelle heure allait être la sortie du DLC Redac. Ça a été annoncé tout à l'heure, en fait. Allez, c'est bon, vous avez tous Raffle. Oh, c'est Floya. Ah, ça me fait plaisir. C'est Floya qui gagne le Soul Blade. C'est la première fois que tu gagnes un truc. Comme ça, Floya, tu vas me donner en privé ton adresse, ton nom et ton prénom. Comme ça, je pourrais venir stalker chez toi. Félicitations. Attention, Floya, question subsidiaire. Est-ce que tu aimes... Est-ce que tu aimes The Seven Deadly Sins? Tu n'as jamais regardé. Bon, alors du coup, on va essayer de trouver quelqu'un qui aime vraiment ça parmi les gagnants. Alors, j'ai aussi les petits bonus de Bandai Namco, donc je les mélange.
Et je te demanderai de me dire un numéro entre 1 et 5. Vous avez vu comment les... Ils sont bien chez moi, les raffles. Dis-moi un numéro entre 1 et 5. Tu gagnes Little Nightmare sur PS4 avec. Offert par Bandai Namco. Bandai Namco. Bandai Namco. Voilà. Bah cool, bah oui, cool. Très bon jeu en plus, Little Nightmare, très très bon jeu. Du coup, non, ceci n'est pas une OPSP. Putain, vous êtes casse-couille. Oh, et là j'utilise le vrai mot qui sort du cœur, quoi. Putain. Sortir ça toutes les deux secondes constamment, vous êtes casse-couille. Quand c'est une putain d'OPSP, je dois vous le dire. C'est écrit dans le titre et je dois vous le dire en live. Si je le dis pas, c'est que c'en est pas une, bordel. Oh. Plaisanter, oui, mais c'est très drôle quand je me le mange 15 fois par jour. C'est très drôle. Allez, merci John Joe, excuse-moi, mais t'avais pas déjà resub il y a pas longtemps? Un petit avion Eternally Retold. Oh. De rien, Floyd, mais merci à toi d'être là. Merci John Joe pour tes 7 mois de sub, des gros bisous. Et plein de petits pains. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une petite pause. Je sais pas trop de combien de temps, 20, 30 minutes. Est-ce qu'il faut le temps que je débranche la PS3, que je branche la Dreamcast? Je vais voir si je peux manger un bout aussi vite fait, comme je peux pas me commander une crêpe à cause de vous. Et on va enchaîner avec Soul Calibur sur Dreamcast. Du coup, on joue sur Dreamcast, pas la version sur le Xbox Live Arcade. Et vous allez comprendre pourquoi une fois que j'aurai lancé le jeu, parce que le but du jeu, ça va être extrêmement marrant. Pas à 20h, non, je pense un peu avant. Restez dans le coin, je vais vous mettre, je vais vous mettre la bagarre de toute façon. Et je reviens très très vite, voilà. A bientôt, tout de suite. Ah, merci ToSFox qui offre un sub à Nodoka. Des bisous. J'ai pas branché la DC en VGA sur le SSC. Si, si, si. Mais elle est derrière. Tu vois, c'est le truc blanc là, c'est la Dreamcast. Il faut juste que je la rebranche. Voilà, allez, on se retrouve d'ici. Allez, un petit quart d'heure, 20 minutes, le temps que je branche tout. Que je me détende les jambes. Et à tout de suite pour la suite de l'OPSP, bien sûr.